Et à la une de ce flash, l'inauguration hier du nouvel Euralille. Après 14 mois de travaux, le centre commercial qui a ouvert ses portes en 1994 gagne près de 9000 mètres carrés supplémentaires et surtout un label 4 étoiles pour garantir de sa qualité. Un lieu donc plus grand mais aussi plus confortable selon la direction. Les changements sont notamment l'apport de nouveaux matériaux comme un parquet en bois pour atténuer le bruit et rendre le lieu plus chaleureux, sans oublier de nouveaux espaces de repos connectés avec par exemple des fauteuils équipés de prises pour recharger son téléphone. Le coût global de ce gros chantier est d'environ 48 millions d'euros, des frais qui pourront être compensés en partie avec l'ouverture de nouvelles boutiques. Un haut lieu du commerce à Lille qui se développe et qui va permettre, selon la direction, de créer 400 emplois d'ici 2016. Notre journaliste Fanny Bourdillon a pu d'ailleurs discuter de ce point lors de l'inauguration. Les 48 millions d'euros que l'on a investis dans ce centre amènent en fait à restructurer l'offre commerciale et à amener de nouvelles enseignes. Donc au total, on va rajouter à peu près 9000 m². Ces enseignes vont créer 400 emplois équivalent temps plein sur le centre, donc qui viennent s'ajouter aux 1100 emplois qui existent déjà. Et pour pourvoir ces emplois, on a passé un partenariat avec la ville de Lille et la maison de l'emploi pour pouvoir recenser l'ensemble des offres d'emploi et mettre ces offres d'emploi à disposition directe des Lillois et des métropolitains de la communauté urbaine de Lille.